Donc je remercie en tant que Finette le sage et tout le monde pour la modération, le sage et Bastos pour le guide, enfin pour Jacques Bastos, et le sage pour Alon, nous sommes partagés la tâche, et ils ont été tous les deux, d'une façon indirecte. Bonsoir, merci Lucrica, tu arrives vraiment pour la fin, merci à Nash, merci à Christella, merci à la Jed, à Nayone. Et merci à la personne qui m'a offert des bits, qui m'a offert 3 bits. J'ai plus son nom, j'en suis vraiment désolé. Oui, même moi, ça finit par m'échapper. Il faudra que je remonte au sommet de ton direct. Merci à cette personne. J'ai plus le nom, ça me reviendra avant le raid. Donc voilà. Donc, vite fait, les promotions. Alors, moi, vous savez, les promos, je vous fais que celles qui sont les plus proches. Junace 114, pardon. C'est Junace. Qui t'a donné merci à Journée. Donc de suite vous retrouverez le sage, je ne sais pas sur quel jeu. Après vous retrouverez Bastos sur des jeux communautaires, Odorien. Vous retrouverez voilà, et vous me retrouvez quand du coup le prochain stream, ce sera lundi, donc d'ici là les promotions, et dimanche vous retrouverez le sage sur du Final Fantasy et du Vroom Vroom Camion et peut-être d'autres choses. De toute façon je serai là à la modération. Et je crois pas que Bastos ni Christella fassent un live dimanche. Donc voilà. Donc on y va. On quitte enfin le jeu. Et hop. Bah oui, du coup. Ouais, je vous mets exceptionnellement en écran noir parce que ça va pas être agréable pour vous. Exceptionnellement, retour à l'écran noir parce que c'est un vieux jeu. Et ce sera pareil sur les vieux jeux. Donc sur Opération Body. Opération Body, l'opération des corps. Body Count, ouais. Il y a un peu de ça, je te l'accorde. Voilà, normalement, va, j'ai lancé. Il va cacher des corps, le sage. Il va se reconvertir entrepreneur ou je sais plus comment on dit. Non, entrepreneur, oui, peut-être entrepreneur. C'est autre chose. Comme les attaqueurs, je sais plus, le fossoyeur, voilà. Entrepreneur, oui, bien sûr. Tout va bien. Merci, c'était cool. Même si j'étais un piètre guide, là, je reconnais que j'ai eu du mal. Mais le jeu est tellement beau. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, donc, voilà. On arrive. Bonne soirée à tous et merci de votre fidélité. Merci à ceux qui auront les rediffusions sur Twitch ou YouTube. Promis, YouTube, je vous ferai une version plus courte. Ouais. Voilà, le raid est parti. Alors que je bois une gorgée de ma mousse du samedi soir, je m'ouvre complètement les chakras et je me relaxe. Merci mon cher FunFan pour le relais de chaîne. Voilà, bienvenue aux arrivants, comme j'ai bien éduqué mon robot Wisebot. Il vous souhaite la bienvenue, tout comme moi. Ouais, petit FPS. Oh, je vais me le faire pendant une heure et demie, et puis je pense qu'à 22h, je me vois donner mon relais de chaîne à Bastos. Pourquoi je peux pas ouvrir la porte? Ça y est, ça commence. Premier bug. Alors, ah, c'est comme ça. Truc. Oh, la moquette, elle est talkwise. Là, je peux pas t'entendre, mais c'est tout à fait normal. Ouais. Oh, tu peux rester en vocal si tu veux, ça me dérange pas. Ah, oui, pas de problème. Oui, oh. De toute façon, mon jeu, c'est pan-pan, tagadagada, pan-pan-pan. Donc... De toute façon, après, on fera le relais à la Miss Bastos. Oui. Ah, oui. D'ailleurs, bon direct à Bastos. Chez Bastos. Torota, pour faire un peu la pub des copains, Torota, il était sur du Resident Evil 3, le premier du nom, pas le remake. Et ceux qui sont intéressés, allez voir Torota 77 pour du Resident Evil 3. Bastos, je sais pas ce qu'il avait prévu de diffuser. Il voulait faire des jeux communautaires, mais justement, la communauté va choisir. Ah, ah merde, j'avais oublié ça. Et il démarre à 21h. Alors, vocale ouverte, c'était pas prévu initialement d'Ayoné, sans offense. Mais je garde le canal ouvert privatif que j'avais avec FunFan pour le guider. Ouais. À moins que tu veuilles vraiment. C'est surtout demain après-midi que je vais ouvrir ma vocale, d'Ayoné. Quand on fera du camion. Mais vu que Bastos va faire des jeux communautaires, il va ouvrir très probablement sa vocale. Ça me paraît. Ouais, c'est possible. Tu pourras nous parler avec ta belle voix.
Et Réglisse, c'est miaou. C'est rien qu'à voir le jeu, je me dis encore un jeu et le moteur de Wolfenstein 3D. Oui, mais moi j'aime ça, monsieur. Je vais rien dire aujourd'hui vu le travail de guide qui a été fait. Moi j'adore, moi. J'adore ces jeux-là, moi. Oui. Je dois être honnête, les couleurs passent bien là par rapport à Wolfenstein, donc ça va. Puis je me demande, attends, j'ai pas regardé mon retour, mais le rendu doit être pas mal. Oserais-je dire que ça embellit le jeu, la manière dont... Oui, j'ai l'impression qu'il y a un lissage qui fait que c'est moins pixelisé. Ah, c'est pas mal. Oh, bah pour une fois que c'est pas l'inverse. Ouais, ça fait écran de veille de Windows 95. Mais attends, vas-y voir que je passe ma main. Attends, je vais regarder. Ah oui, je vois ma. Ok. Ah, je pourrais peut-être renier un peu l'image et un peu. Ouais, c'est pas fait. Merde, je suis en train de me faire abattre. Non, mais je vais recommencer, j'ai fait de la mouise. Tu peux m'abattre, j'ai fait de la mouise. Je regardais plus. Oui, ça fait écran de veille de Windows 95. Ouais, you lose, gna gna gna. Voilà. D'ailleurs, il m'avait frustré à l'époque. Je croyais que c'était doux. Ah. J'essayais d'y jouer, chaque fois ça s'est enlevé, je comprends pas pourquoi. Effectivement, vu comme ça. Bon, j'ai fait de la mouise, n'importe quoi, moi. J'ai fait de la mouise, qu'on se le dise. Il a duré. Alone in the Dark, il a duré 5 heures plus long que mes GTA. Aussi long que mes GTA. Oh la vache. Ah, j'ai galéré sur l'histoire du chien là. J'aurais dû faire de suite le tuer au mieux de vouloir essayer de l'esquiver. Oh la vache, ça bouge de tous les côtés. J'aurais pas pensé. J'avais moins galéré quand j'avais fait Bastos, j'ai l'impression, et Armes. Je pense que je vais vraiment écourter, pardon, à une heure, juste faire une heure de jeu là, parce que tu sais, j'ai peur pour Bastos, quand on a une communauté commune, qu'il y ait plein de joueurs chez lui pour le jeu en commun, ce serait bien. Oui. Bah, c'est toujours triste si tu lances un truc de jeu en commun et qu'il y a deux spectateurs, ça la fout mal, quoi. Il te dit que ton titre et ta catégorie sont pas bons. Enfin, ta catégorie, c'est toujours sur des light. Bah, alors merci Bastos, mais j'avais défini. T'as fait F5, Bastos? Tu peux me confirmer, FunFan? À ce niveau-là, tu sais... Ah, c'est bon, je vois marqué opération. Je n'ai même pas eu besoin d'appuyer sur F5. Peut-être le temps de leur actualisation. Peut-être, parce que j'ai vraiment pris soin de changer le titre et de la catégorie de tout à l'heure sous mon OBS. C'est bon chez toi, dit Nayone. Merci, ouais. Tu me rassures. Et bientôt, oui, t'es en train bon. De... plein d'adeptes du commandant et Conquer. Hein. Oh. Ouais, c'est bien. Ah ouais. Il y en a Yone qui joue, moi, Edge, tu commences à avoir du monde. Bah, Commandant Conquer, il est génial. Faut pas se voler la face, il est juste génial, quoi. Je me demande si on pourrait pas embarquer Pierre Troutman aussi. Enfin, je sais pas s'il aura le temps de son retour de vacances, mais. Dans les joueurs potentiels, à mon avis, Pierre Troutman. Ça devrait lui plaire. Peut-être Poupon aussi, d'ailleurs. Poupon aussi. Ah, attends, j'ai pas fait les rats là. C'est le corridor à Dragon Sky. Il y a des rats dedans. Alors, ne t'en fais pas pour le relais de scène. Ah, de scène, d'accord. Oui, de chaîne. Oui, on a compris. Si j'ai personne, je fais de la tier list ou du quiz. Prends ton temps. D'accord. Bon, bah, je garde mon antenne jusqu'à peut-être 22h. Je te laisse une heure un peu à blanc, Bastos, et puis après je débarque chez toi, histoire de gonfler les effectifs. Merde. Oh, je tire à côté, n'importe quoi. Vous savez comme dans les mauvais films, où le gars il fait face à son ennemi, mais en fait il tire, il dessine la silhouette du gars sans jamais le toucher. C'est exactement ce que je viens de faire là. Enfin exactement. On était proche de ça avec le robot. Je suis gnagnon, le petit robot. Bon, là il y a un secret. Ne mentez pas, les terroristes. Je sais qu'il y a un secret. Voilà, je l'ai vu sur la carte. Ça c'est à moi, c'est à moi, et ça c'est à moi. Voilà.
C'est bon. Je suis prêt à mener. Oh oh. Qui me frappe, moi, dans les jeux que tu fais avec le moteur de Wolfenstein, il y avait aussi le projet, non pas projet Zomboid, le jeu Corridor 7, ouais. 7, Wolfenstein 3D, puis celui-là. C'est que dans tous ces jeux-là, il faut toujours pousser des murs pour trouver des passages, oui. Des trucs comme ça. Mm. C'est une caractéristique du mur de Wolfenstein, ça. Mm. Exact. Il n'a pas été repris dans Doom, d'ailleurs. Dans Doom, tu ne pousses aucun mur. Hein. C'est marrant. Mm. Mm-hmm. Bizarre. Le renache. Ah, tu vas manger vite. Hein. Faut explorer l'extension une fois le jeu de base bien parcouru. Plus tard, l'extension, Nayonet. Oui, le... Mais là, il faudrait que je m'amuse à... Il y a ça, je sais pas quand. Ouais, j'ai plus tard, moi, l'extension. J'ai l'impression que c'est les mêmes civilisations, mais avec des sous-civilisations. C'est un peu bizarre. Ah, mais qu'est-ce qu'ils me font rire, le JEA, là, les... Oui, le GDI, ouais, les terroristes. La GLA, les ouvriers. La GLA, t'as raison, la GLA, mon Dieu. Quand ils te disent, ah, j'ai pas de pieds, j'ai pas de chaussures. S'il vous plaît, demandez-moi d'arrêter de travailler. Mm. Ah, c'est très drôle. Mais c'est vrai que j'aime bien jouer avec la Chine. Mm. Ah, t'aimes bien les unités, leur manière de faire. Oui. Le problème que j'ai avec les Américains, c'est que ils parodient tellement bien le patriotisme américain que ça me gonfle en fait d'entendre les unités parler. Ouais, je comprends. C'est trop cliché, ouais. Mais les Chinois, c'est bien vu. Mais les trois sont clichés, mais les Chinois avec l'accent plus rigolo. Il faut bien aimer le régime, oui. Donc faut que j'arrête, sinon ton stream il va striker, on va dire que t'es mi-faible, qui co-anime si je fais l'accent. Mais non, mais l'accent est très très. Et puis, j'aime bien les chars qu'ils ont, les Chinois. Ils ont des bons chars. Ah oui, l'empereur. Oh, tu peux personnaliser après. Soit mec une gatling dessus, soit une cabine pour des soldats, soit un haut-parleur d'embrigadement. C'est redoutable. C'est vrai que c'est absolument redoutable. Putain, je suis dans le jaune, ça veut dire que j'ai mal fait le niveau. Il y a encore des terroristes. Il y a encore plein de gros vilains. Par contre, c'est vrai que les Américains, au niveau avion, ils sont mieux. Ah, ils ont des avions. Ah bah, c'est leur point fort. Hein. Frapper sans être touché, ça, c'est très américain. Mais les Chinois aussi, ils ont un autre avantage. J'aime surtout leurs gros missiles. Alors, oh, ben les Américains aussi. Mais oui, c'est vrai, je préfère leur arme atomique. C'est vrai. Les beaux petits champignons atomiques. Parce que le laser, il n'est pas terrible. Tu l'envoies, je ne sais pas où, le laser. Et... Oui, ça dépend comment tu t'en sers, mais... Le laser, il est un peu compliqué. Mais ce que j'avais aussi avec les Chinois, c'est qu'ils ont moins besoin d'électricité que les Américains. Les Américains, tu passes ton temps à construire des centrales, même quand tu les évolues. Ils sont moins gourmands en électricité. Oui, bah, ce qui est dingue, les terroristes, attention, les terroristes, eux, ils n'ont jamais de centrale. Hein. C'est leur point fort d'ailleurs, aux terroristes, c'est horrible. Ils arrivent au final à faire un site Scud. Et oh, c'est effroyable ce qu'ils arrivent à faire. Enfin bon. Après, les Américains, au niveau ravitaillement, c'est quand même mieux les hélicos que les camions. Les camions, c'est un peu plus lent, quoi. Parce que l'avantage des hélicos, c'est que tu les envoies, alors que les Américains, juste tu. Voilà, les Américains, tu envoies l'avion, tu sais qu'il va revenir, enfin, l'hélico ou je sais pas trop quoi. Les Chinois, tu te dis quand même, je vais construire un centre de ravitaillement parce que sinon ça va être compliqué.
Bonsoir Tomouf. Bonsoir Tomouf, comment que ça va? Alors que le week-end a bien démarré. Qu'on est déjà peinard tous à glandouiller. Et c'est ça qui est beau. Attends, je suis allé là? Non, j'y suis pas allé. Ah, terroriste, bien, qui est assez droit comme un i. Alors là, l'intelligence du jeu, nada. Zero. Hello, re-aéroster. Ah, re-aéroster. Eh bien, vous êtes passé le mot, vous, Dudu. Bon, ça fera un bourré d'abastos. Bah oui, c'est bien. Ah oui, j'ai déjà poussé le... C'est vrai, c'est vrai. Il faudra que je te communique d'ailleurs le prochain jeu. Communico. On repart sur un jeu d'aventure des années 90. Ah mon dieu. Qui a eu une suite après dans les années 2020 ou 2010. Ouais, plutôt 2010, je crois. Et par contre, là, ton rôle de guide va être important dans ce jeu parce que le problème, c'est que les langages sont en anglais. Ah oui, pour traduire un peu. Alors, en espérant que ce soit pas trop shakespearien, que ce soit pas trop littéraire, sinon je vais galérer tout le temps. Mais oui, pourquoi pas. Si t'as une solution, ça devrait aller. Attends, il y a encore des vilains terroristes dans l'étage. Parce que, vous voyez, mon logo, il est jaune. Alors qu'il devrait être vert. Ah bah tiens. Et si vous avez été un petit malin que vous avez regardé, peut-être que vous avez vu l'icône du jeu. Allez voir la rediff. Mais je sais pas si elle est passée comme j'étais en mauvaise résolution. Oh, bonsoir, Poupon. Oh là là. Ça me fait bizarre de tous vous accueillir. Merci à vous d'être là. Je suis toujours surpris. En fait, que voilà, vous venez régulièrement. Ça me fait fort plaisir. Mais à chaque fois, je me laisse surprendre. Il n'y a pas l'icône du jeu, donc vous aurez la surprise la semaine prochaine. C'est un secret d'État. Seul le sage. Un secret dans l'État. Ouais. D'ailleurs, je ne prends que je lui donnerai après la vocale qui le diffond en vocale. Ouais, bah oui. Que je fasse que je ne commette pas d'impair ou de boulette. Ouais. Attends, j'y suis allé. J'aime bien. Et c'est, quand c'est un nouveau jeu ou un ancien jeu qui revient, j'aime bien ne pas vous le dire. Ah, c'est ouvert, mais j'ai tous liquidé. J'ai pas vu que j'avais la pastille en bas, l'indicateur en vert. Tout le monde est mort. Donc je peux me promener vers la sortie. Ouais. Faut que je sauvegarde d'ailleurs. Oui. Attends, bah, au moins 3 lives minimum, je pense. Ouais. Je peux pas résister à un direct de qualité sur deux PC. Donc, le titre, enfin, le synopsis, peut-être qu'il y en a qui connaissent trop, hein, mais je n'ai pas le titre, tant pis. Robert Frost est un simple étranger ayant échoué dans une vaste cité où les citoyens oppressés vivent et travaillent dans des blocs de tout flottant. Pendant que les riches corrompus et avides vivent sous terre, à l'abri de la pollution, seul à l'exception d'un circuit imprimé robotique, Robert Frost doit lutter pour sa survie et découvrir la vérité sordide qui se cache derrière son enlèvement. Voilà. Ce sera ça, le thème de la semaine prochaine. Non, avec l'électricité, ils réagissent pas. Je vois pas, ouais, je vois pas le jeu. Ah, on va voir s'il y a une alerte. Non, j'ai remis l'alerte visuelle. Merci pour l'anonyme qui offre un abonnement à Raskar Kapak. On salue la mère Raskar Kapak, qui normalement en week-end en profite pour faire des promenades aussi, quand il y a le soleil. Merci anonyme. Ah, merci, ouais, anonyme, parce qu'en plus je vais tester si mon alerte a bien été reprogrammée sur le signal visuel sur l'antenne. Ça arrive au bout d'une minute. J'avais mis un décalage d'une minute, je le rappelle, parce que quand je fais des jeux de bagnole, ça fait du bien de savoir qu'un événement ça va arriver et pas être surpris. Sinon, c'est l'horreur. Comment ruiner une course. Le jeu est inspiré d'une bande dessinée. Ah, bah, tu auras quelque chose à dire. Ah, Bastos aurait trouvé ton jeu. Il te dit en MP pour savoir s'il a la bonne réponse.
Ah oui, c'est celui-là, Bastos. Waouh, il est fortiche, Bastos, il est fortiche. Faut que j'arrête de donner des indices. Hein. Ah, t'es dépité parce que ton public était plus fort que toi. Ah ouais. Ah. Oh, mais non, j'ai pas mis le pied sur le cadavre piégé. C'est dégoûtant. Qui est inspiré de la bande dessinée Watchmen. Je sais même pas, je connais le nom. Mais... Oui, c'est grâce au... Ouais, j'ai de... C'est bizarre de voir le sage de Nancy interagir en temps réel. La maîtrise est cassée. Ouais. Ah ben, voilà l'utilité de ton, de tes tableaux mystères. Ça a fait augmenter la culture. Bastos, il a trouvé grâce à tes tableaux mystères. Je sais pourquoi l'alerte s'est pas lancée. J'ai oublié de rajouter une pièce au puzzle. Et oui, j'ai pas remis l'utilitaire de stream de Westbot sur mon portable. C'est pour ça qu'il peut pas faire le lien. Ah mais du coup j'aurai le truc en double. Ah, ça va être bordélique si j'ai le son en double. Bon. Tant que vous ne donnez pas le nom du jeu à Twinsen, ça va, parce que c'est surtout Twinsen qui n'arrive pas à RMP. Ah, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. Bah, il va devoir faire un abonnement, monsieur cadeau anonyme. Non, merci à l'anonyme qui a fait un cadeau à Rascal Crapac. C'est adorable, surtout qu'il aime bien jouer avec mes icônes, je crois, Rascal Crapac. La patoune, il aime bien la patoune. Il m'avait dit qu'il avait testé, je sais plus, dans des chaînes, des chats qu'il aime bien. Et il m'avait dit, oh le sage, ta patoune, elle a beaucoup de succès. Je crois savoir qui c'est monsieur anonyme, mais je dirais pas son identité. Ah non, c'est l'intérêt, c'est de pas savoir. Mais je crois savoir. Disons que, pour faire simple, monsieur anonyme, chaque fois qu'il envoie quelque chose, il est... Voilà, quand il envoie des cadeaux anonymes, il est toujours dans les mêmes... il a les mêmes streamers que moi souvent. Donc, je l'ai croisé plusieurs fois et en force... voilà. Mmh. Je dirais pas qui. Ah, l'ami Bastos qui a lancé. Mmh. Le raid. Donc oui, le sage, je disais, Bastos, il a trouvé grâce à tes carrés mystères. Hein. Oui, les tableaux mystères, ouais. Ah oui, le tableau, ouais. Oui, on a coupé. Ça augmente bien, t'as vu, t'as bien augmenté la culture générale. Hein. Oui, c'est merveilleux. J'en suis ravi alors que je me fais abattre. Mais en plus, le sage, honnêtement, j'ai choisi ce jeu, je l'avais déjà acheté il y a quelques années. Je savais même pas qu'il avait été dans tes tableaux mystères. Mmh. Donc Watchmen, on pourra en parler si tu veux de Watchmen. Alors, qu'est-ce qu'il a comme... Il a une atmosphère oppressante, angoissante et psychotique. Ah, ça promet. Psychédélique. Ce psychotique, ça me... Oui, psychotique. Non, non, c'est bien le mot. Il y a plus de 100 lieux qui ont été créés par Dave Gibbon, l'auteur illustration de la bande dessinée anglaise. Nombre de personnages fascinants qui se déplacent librement et vivent leur propre vie grâce au système virtuel théâtre. Oh, j'ai hâte qu'on découvre ça la semaine prochaine. Mmh. Il est... Merde, il se fait un truc, il y a un passage secret. Il y a une pile de livres qui se pousse. Mais où? Ah! Me fait allumer, merde. Voilà, je suis quasiment fait liquider là. Alors, Poupon nous dit Watchmen, très bon film pour une fois, par rapport au bouquin, même s'il aurait mérité de faire 2-3 heures de plus. Ben nous, on va faire le jeu vidéo qui est inspiré de la bande dessinée, tu vois. Merde. Moi, je suis censé avoir un... Je suis censé avoir un bouquin qui se pousse, mais non. Le dernier jeu d'aventure qu'on avait fait inspiré d'un film ou d'un livre, c'était les deux, c'était Blade Runner, qui avait été très bon d'ailleurs. Très bon jeu, Blade Runner, franchement. Et une direction artistique énorme pour un jeu de 1997. Alors oui, c'est pixelisé, mais il y a un charme dans ce jeu qui fait que ça passe.
Et en plus, dans ce Blade Runner, vous avez 7-8 fins, quoi, un truc comme ça. Alors, des fois, c'est des petites fins de variantes. Hein. C'est pas. Voilà, on va dire, vous avez 3 grosses fins et 6 ou 7 qui sont là pour. Selon vos actions, vos machins. Mais il n'est pas facile, hein, parce qu'on était resté bloqué là, avec le cuisinier, tu te souviens. Il voulait pas dégager le cuisinier. Il fallait faire je sais pas quoi comme action, mais. Mmh, en plus, j'ai un vrai souvenir. Il est en français le jeu. Donc, franchement, allez-y si vous aimez les jeux de point and click. N'importe quel débile. Enfin, c'est un très bon. Certains bouquins avec écrit pousse mousse dessus. C'est un bouquin sur les savons, ça. C'est pas ça, là. Alors. Non, je l'ai déjà eu. Ah merde, là. Ils sont aux fenêtres, les gars. Blade Runner, c'était un film à lui tout seul. Attends, Blade Runner, c'est un film à lui tout seul, le jeu. Je pense que ça a oublié quelques liens avec lui, la Dichède. J'ai pas très bien tout ce que tu vas comprendre. J'ai 23 heures à Varsovie. Varsovie, c'est la capitale de l'Espagne. La Pologne, excusez-moi. Je sors tout juste d'un live. Accordez-moi le droit de. Non, mais je me suis repris tout de suite dans la phrase. Hein. J'ai pas laissé un temps de. Désolé, Poupon. Ah, 23h, ça fait 11h. Ah, c'est pour ça qu'il dit ça, Naï. C'est quoi ce délire? Elle est où, la porte d'entrée du truc? Ah oui, c'est vrai qu'il y aura le fameux live de Poupon qui n'ira pas la rediffusion. Il va dire des dossiers sur des personnes. Attention. Ah. Il va régler ses comptes. Non. Ah, il va... Ah. Non, mais il a dit qu'il laisserait pas la rediffusion, Poupon. C'est intrigant. Donc il va nous laisser des dossiers, il va faire du piratage et tout. il va dire des codes de carte bleue. Premier dossier ce soir, Pan. Ah ben oui. Voilà, il y aura aussi des dossiers sur Christella. Il va faire un live à poil, donc pas de redis. Bon, je vois pas, non. Ah oui, non, ça va, elle est là, elle peut se défendre dans le chat, mais ce que j'allais dire, elle est encore à table. Mais ça va pas, non. De quoi? Ah, je ne répéterai pas ce que t'as dit, si on peut. Je ne fais que lire ce que dit Christella. C'est ah bon? Oui, elle a dit, c'est Christella qui a dit, il va faire un live à poil, donc pas de rediff. Ah! Je me permettais pas, quand même. Oui, sur le coup, je comprenais. Après, j'ai pas mis de virgule dans ma façon de parler, donc ça peut porter à confusion. Je m'en excuse. Parce qu'en fait, comme je parlais de Christella, j'aurais dû dire Christella dit. Donc, Nash dit, à mon avis, on va voir Poupon tourner autour d'une barre en maillot léger. Prévoyez, et Poupon dit, prévoyez les chiffres. Est-ce qu'on peut avoir des dossiers sur Amourante? Je suis consommateur. On sait jamais. C'est histoire de les redonner à tonton Justy après. Et on va bien. Est-ce qu'elle va gagner ou pas son combat de boxe? Ça, on veut savoir. Donc, oui. Voilà, il y aura des dossiers sur Christella, des dossiers sur Nash, des dossiers sur moi, des dossiers sur le stage. Donc, il n'y aura pas X Poupon 29. La suite de X-Files mais sur Twitch. Avec Fox Poupon et Dana Christella. Voilà. Cette carte. Cet étage de fou. Ah oui. Le sage a dit quelque chose, Poupon. Ah bon? Il faut confirmer ou ne pas confirmer. Il pense que tu es né la même année que Frédéric Reynald. Voilà. C'est-à-dire en 1966. Mais je crois que le Poupon est 65. C'est là, je me fiche. J'aimerais bien copine. Il n'y avait personne sur le balcon.
Non, moi, celui qui m'impressionne le plus, c'est Carmack, quand même, au niveau des programmeurs. Bon, déjà, parce que Doom, c'est Doom et c'est une révolution du FPS. Mais on n'imagine pas que John Carmack, quand il a programmé même Wolfenstein 3D, il avait 22 piges. C'est ouf. C'était un genou, quoi. Mmh. Oui, mais déjà c'est... pour être talent. Et à 23 ans, il était homme. À 25 ans, il faisait déjà partie des gens les plus riches. Pour avoir fait tout. C'est un génie. Je crois pas que Bill Gates, il avait, quand il a programmé Windows, il devait déjà avoir la quarantaine, je pense, Bill Gates. Ah non, il était jeune quand Bill Gates a shippé les codes à Unix, je crois, pour faire son Windows. Vérifiez la biographie de Bill Gates. Non, il avait la vingtaine quand il a conçu MS-DOS. Ah, MS-DOS. Avant que ça devienne Windows. Oui, bah oui, après il a fait la... Il a commencé à se faire du fric avec DOS, un bon paquet de fric. Et c'est là où il a commencé à voir qu'il tenait un sacré bon filon. Et qu'il a fini par développer la partie graphique qui est devenue Windows, justement, la fenêtre. Avec les génies qu'il a su, avec lesquels il a su s'entourer pour fonder Microsoft, connaître le monstre que c'est aujourd'hui. Alors 81, il a sorti en 81 MS-DOS. Mmh. C'est un clin d'œil à Mitterrand. Mmh. Et là, en 1955, j'ai la flemme, je prends une calculatrice. Il avait 26 ans. Ah ouais, bah il était comme John Carmack, à peu près le même. Carmack était un peu plus jeune. Ce niveau me fait grave flipper. Je suis à l'article de la mort, j'ai presque plus de munitions. D'ailleurs, j'ai changé de flingue. Parce que je suis dans les hommes. Brise. Attends, ouais, je sais ce que je vais répondre. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait comme cette tease? Ah bah, je sais pas, Nash dit que les hommes c'est pas son truc, il répond ben oui, hein, ben oui. Aïe aïe aïe. Mais non, mais les chiottes, j'ai déjà fait les sanitaires. J'ai déjà fait une descente dans les sanitaires. Attends. Non, moi ça me dérange pas quand les gens sont mieux que moi. Quelle chance qu'ils ont eu de voir des choses que je n'ai pas vues. Mmh. Me dire que Poupon, il a vu Tonton De Gaulle, il a vu Tonton Giscard, il les a tous vus. Et il est toujours là. C'est énorme. Et être né dans les années 60, c'est la vraie première, même si c'est les années 50, la première décennie d'après-guerre, mais les années 60, c'est une décennie qui a vraiment un vrai recul sur l'après-guerre, qui a déjà... les années 50 un petit peu, mais bon, il s'était passé que 50 quoi quand tu commences les années 50, donc il n'y avait pas un vrai recul sur la Seconde Guerre mondiale. Alors quand tu commences en 60, déjà 15 ans sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai vu l'homme sur la Lune en direct, mais je me souviens pas. Mais t'as tenu de paillettes. Et je me dis, c'est énorme d'avoir vu tout ça, les technologies, les machins évoluer. Je pense honnêtement qu'en matière de technologie et d'évolution, c'est une des meilleures décennies d'être né dans les années 60. Pour l'évolution folle qu'il y a eu entre 60 et 2000. Je suis obligé d'utiliser le lance-roquette pour m'ouvrir le passage. Après, peut-être que je... Ah, c'est des rats. C'est ce Dragon Sky ou pas ? C'est ça. Ou ceux de Wolfenstein qui est de la version NES. Ouais, peut-être des deux. C'est quoi ce délire? J'aurais pas eu la carte, j'aurais pas deviné que le rat était derrière le mur qu'il fallait exploser et non pas pousser. C'est complètement abusé. Mais bon, on m'avait réveillé et mis devant la télé avec eux, mais je me souviens de quasi rien. Ah. Et c'est à partir de ce moment-là que tu t'es mis à aimer l'espace, Poupon, ou c'est après, ou c'était déjà d'avant. Ouais, c'est intéressant. C'était le seul streamer que je connais qui aime beaucoup l'espace, la NASA et tout ça. Bah, après, j'ai du staff pour me préparer à plus en plus. Ah.
Ah oui, pour préparer ton direct de 22h. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais faire un relais à Bastos qui veut faire un relais à Poupon. Enfin non, tu diffuses pas le... Ah, 23h. Ah, tu émets à 23h, Poupon. À 23h, il sort tous les dossiers. Attention à vous. Il sortira des dossiers sur moi. Ah, tout à l'heure, je pense que... Ouais, ouais. Oui, je vais faire un relais à mon avis à Bastos qui te fera un relais après à Poupon. À mon avis, ça va être ça. Tu m'avances peut-être un peu vite, mais... Peut-être que Poupon va donner les dossiers de ma carte bleue. Ah mon dieu! Il va dire ce que je dépense et tout. Ou peut-être qu'on va voir le visage de Twinsen. Il va faire un live avec Twinsen. C'est peut-être ça qu'il veut qu'on lève dans la rediff. Parce qu'il a des dossiers sur Twinsen. Zoubi, à tout à l'heure, madame. Bonne soirée. Merci. Ah, il n'y a pas de dossier sur toi. Ah. En es-tu sûr, Nash? C'est qu'entre Komodo, on a toujours des dossiers entre nous. Hein. Nous avons les moyens de vous faire parler. on a des trucs secrets de modérateurs. Ouais. Même le sang est dedans. Hein. Yeah. Même tous ceux qui ont été modérateurs ont ces dossiers. C'est les dossiers secrets des modérateurs. Non, c'est une plaisante, je ne suis sur personne. Enfin, c'est jamais, mais... Non, moi, je suis curieux. Ah, si j'ai tout de suite le... Encore un rat de Dragon Sky. Même au niveau de la musique, tout ce qui a évolué entre 1960 et 2000, c'est... Les mentalités, les machins. Bon. Après, si on prend l'évolution entre 2000 et 2023, il y a quand même beaucoup d'évolution depuis 2000. Je sais pas si on me remet pas un ordinateur en 2000, si j'arriverai à m'adapter ou pas. Quoi. Ou les musiques, ou la façon d'écouter. Le monde évolue tellement vite. C'est ça. Alors oui, ça a arrêté un peu à cause de la pandémie pendant 2 ans, et encore, je suis même pas sûr. Arrêté, je suis pas sûr non plus, ouais. Si, on peut dire à la limite. Il a tout évolué différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un avant et un après dans les relations qu'on aura. Oui. Ça, on le voit là, on est dans l'après. Dans le monde d'après. On est dans le post-pandémie et on le voit bien. Mais les gens commencent un peu à revenir comme avant. Quand tu vas au restaurant, tu vois que tout le monde se revient à utiliser un téléphone. Et, ah, peut-être que ça va pas durer assez longtemps, en fin de compte. Ouais, c'était encore piégé. Tant pis, j'ai mis le pied dessus, mais... Enfin, c'est dégoûtant. Non, ce que je plains, c'est vraiment les gosses qui sont nés dans cette période-là où ils sont nés légèrement avant. Ceux-là, je sais pas quelle mentalité ils vont avoir parce qu'ils n'ont pas été spécialement marqués, mais ça... Si, ça dépend. Si, il y en a qui sont traumatisés, qui ont droit à des séances de psy à vie. Et si, il y a eu des dégâts pour les plus fragiles d'entre eux. Non, mais il y en a plus d'un qui dira qu'on a abandonné notre jeunesse pour ce qui est que de la France. On a abandonné notre jeunesse au moment de la crise sanitaire. Enfin bon. Mais non, enfin. Ah, je pense que. On dirait des Chuck Norris, mais géants. Le Chuck Norris géant. Le problème, c'est que ce sont des méchants. Oh hey, j'ai vu la blague à Rambo. Pardon, la blague à quoi? J'ai vu la vidéo du grenier sur Commandant and Conquer. Il m'a fait rire. T'es bien? Ouais, je regarde. Ah ouais, mais lui, il aime pas Général. Hein, chacun son truc. Ah. Il a juste dit les suites de Commandant and Conquer. Hein? C'est ce qu'il a dit. Lui, il a bien aimé Commandant and Conquer et Alerte Rouge.
Oui, c'est ceux qui ont été faits par le studio original qui était Westwood. Dès que Electronic Arts s'est emparé du beau bijou, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Electronic Arts qui s'en est emparé au moment de faire Generals. Ouais. Ouais, ouais. Pardon. Petit retour de la part. Ils ont. Et en plus, c'était ceux qui avaient fait Blade Runner. On revient toujours à eux. Mais. C'est dommage parce qu'ils ont racheté le studio, mais ils n'ont pas fait grand chose, quoi. En particulier de la licence, quoi. Electronic Arts. C'est dommage. Attends, il y a des trucs que j'ai zappé. Là, je suis en train de lire la va-vie de caca. Là, déjà, il y a un mur qui coulisse. Tu attends qu'on ait des dossiers Nash. En tant que modérateur, je n'ai pas le droit de trahir un de mes confrères. Sinon, pas de mort. Ah, c'est voilà. Donc, j'ai pas le droit. Tant que je suis modo. Terroriste était dedans. D'ailleurs, on m'a fait des offres pour modérer, mais j'ai refusé. Des offres indécentes. Ah non, on m'a demandé, mais j'ai dit que. J'ai dit que. C'était pas bien pour toi et que ça me suffisait, mais j'ai pas besoin de modérer d'autres chaînes. Non, tu fais comme tu le sens. Moi, je suis pas allé vers Torota quand il a dit je suis ouvert à avoir mon premier modérateur. Parce que j'aide déjà un peu, mais à de manière distante. S'il est vraiment dans la merde, je suis là en appui pour... voilà. Trop de mémoire. Pour... oh, l'adorable Belge. Magnifique. Bazou. J'ai regardé honteusement mon écran secondaire parce que je sais que j'ai l'onglet qui est tout le temps sur sa chaîne justement parce que je suis son seul modérateur. Et comme il diffuse occasionnellement. Merde, j'ai pas délogé tous les terroristes de l'étage. Ah oui, la santé. C'est dans les autres toilettes que j'avais les valisettes de trousse de secours. Parce que là, pour le coup, ça m'intéresserait. Voilà, ouais, je veux bien. Nickel. Pas la perfection, mais on s'en approche. Ah, je suis peut-être pas allé là. Eh oui, je suis pas allé là. Oh là 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 là. Ouah, c'est bugué. Oh, le bug, vous l'avez vu. Ah, avec des chiottes individuelles. Ouais, je vais les mettre aux escours. Oui, oui, bien sûr. Ah, soupir. Sérieux? Le bourrin individuel, je la sens pas. Oh, ce rock. Let's rock. Oula, ça c'est un cadavre piégé. Personne? Merde alors. Ils sont où les... Attends, il y a au moins un ennemi qui a encore en vie dans le niveau. Ou en fonction si c'était un robot. Merde alors. Non, là je sais que j'ai tout fait, c'est pas possible. Ah, c'est peut-être là que j'ai oublié de faire. J'ai pas fait la pièce là. Ah oui, elle est encore fermée. Mais...
vraiment c'est bon. Ouais, la musique elle est sympa, hein, Nash. Ils l'ont bien travaillé. J'ai du wow. Ah bah c'est vert, il n'y a plus de terroristes. Ouais, je suis plein d'armes, de munitions. Attends, mais oui. Ah, je suis quasiment au taquet. Il me manque plus qu'un peu d'armure. Trop bien. Oh, c'est bon ça. Youhou. Filons au niveau suivant. Non, faut pas que je m'engouffre là. Les escaliers de service sont là-bas. Je m'en souviens pas, mais je cours comme un dératé. Je vais bien les retrouver. Ah non, c'était à l'opposé, poil au nez. Ah! Oui, ils étaient là, les escaliers de service. Je me barre! Hey! Yes, 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 yes! Youpi! On est à quel étage? Je sais plus. 31e niveau. 31 niveaux sur 40. Je rappelle qu'il y a 40 niveaux. 31 là. Ah, j'adore ce jeu. Pouk. On continue. Touk. Ah! J'ai la guerre. Les mains en l'air. Oh, les piliers à la Wolfenstein, on les reconnaît. Enfin, un peu modifié, mais... Oh, j'aurais pu me faire avoir, moi. C'est ce que j'ai hâte, quand tu seras à la fin de cette série, que tu pourras Rise of Triad. Ah, t'es obligé, c'est un moteur Wolfenstein. Oui, Rise of Triad, j'ai pris toutes les versions. J'ai pris la normale et l'extrême. Donc, ça va durer. Mais je sais pas, après celui-là, j'hésite entre continuer le Lexen hérétique ou reprendre le jeu de Twinsen qui est Fear, la suite. On verra. Ça dépendra de mon humeur du moment. Moi, tu connais mon avis. Non, mais j'ai hâte parce que Rise of Triad, ah ouais, c'est comme les vitres cassées comme dans Rise of Triad. Parce que j'aime bien Rise of Triad, ce qui me donne l'impression qu'il pousse à ses derniers retranchements le moteur de Wolfenstein 3D. Mmh. Que tu peux pas faire mieux, quoi, en termes de gameplay, en termes de machin. Et lui, pour le coup, c'est le jeu le plus original. Il était tellement bon, le moteur, que je croyais que c'était le moteur de Doom à l'époque. Mmh. Ah oui, tu te souviens combien de lives j'ai fait sur ce jeu? J'en ai fait... Une dizaine au moins. Alors on aurait dit du plus qu'elle. Il y avait du poids. C'est bien, il y a chaque nourriture. Ah oui. Voilà le Rambo, toi. Merde, j'ai fait une carabate. J'aurais pas dû m'avancer comme là, j'étais trop viril, mais le viril de la bêtise. Et puis, le Rise of Triad, eh bien, on dirait un film d'action des années 80. Putain, je vais me faire buter à la première occasion. Très très bon jeu, hein. Franchement. Tu fais un plaisir fou. J'aime bien, tu bailles en même temps. C'est j'en doute pas. Mais... Non, c'est pas sur Rise of Triad, j'ai pas compris. J'ai aimé le faire et je suis content de l'avoir terminé. Par contre, est-ce que c'est un jeu labyrinthique? Le bordel. Mais je vais y rester, quoi. J'ai plus de santé. Il y en a la tache de sang qui reste au milieu. Ouais, ils m'ont touché en plein centre. Oh, je reste sur le balcon, là. Je prends l'air frais avant de m'attaquer l'assaut. Balcon. Mais n'oublie pas que tu peux demander des équipes dans ce jeu-là. Non, plus dans les derniers niveaux. On avait une cinématique vers le niveau 25 où mon hélicoptère se fait abattre et je me retrouve tout seul. Ce qui fait que j'ai pu à gérer mes coéquipiers. Parfois je les tuais accidentellement. Souvent même. Merde, qu'est-ce qu'il me tire dessus?
Ah, c'est... Ah, vas-y, dis pas localiser, salope. Un point de vue. Voilà. Je suis mort. Mais un papa. Ah, je sais pas quoi dire. Carnage. Ah bah non, c'est vrai que c'est le clavier américain. Attends. Carnage. Ah, j'y arrive pas, mon cerveau il bug. Ou les dossiers de Nash. Aucun rapport, mais c'est pas grave. Ah bah oui, c'est le but. Oh là là, ce carnage épouvantable. Oh, le mec était au balcon. Eh ben, je l'ai eu. Ouah, je suis à l'article de la mort. Il me faut absolument des trousses de santé. Il faut des trousses de soins. Mais j'ai liquidé la moitié des ennemis parce que j'ai la loupiote orange. Je ne suis qu'une IA après tout. Mais comment on fait pour entrer dans les pas, je pense. Oh, il y a un robot qui est passé. Putain, il aurait pu m'avoir le salopard. J'ai envie de faire un test avec le lance-roquette. Oh merde, il y a du monde. Tiens. Voilà. Me persuader qu'on peut pas rentrer dans le... Ah oui, c'est un mur. Graphiquement, il n'y a plus rien, mais en fait, dans la physique, il y a quelque chose. Attends. Oh, j'ai fait sauter l'électricité. Je peux pas forcer la main du truc en explosant tout. Voilà. Ouais, non, c'est un leurre. Y a rien en fait. Y a rien, c'est truqué. Oh. Voilà, je me suis vraiment explosé. Parce que ça sert à rien. Je voulais juste tester la physique du jeu. C'est bien, je vais pouvoir reprendre avant que je devienne fou. Fou. Allez, chargement de partie. Oui. Ah mince, faut que j'arrête ma tablette, moi. Oh là là, j'en ai plus besoin. J'ai vérifié que le signal que je vous émettais était bon. Alors, munitions, c'est cool, mais j'aimerais avoir des trousses de soins, les gars. Parce que là, dans la logique du jeu, je suis en train de pisser le sang. C'est même pas la peine. Mais maintenant, c'était la cache, là. Attendez que je regarde. Là, c'est des flingues. Il y a forcément une salle où il y a des trousses de soins. Ne me dites pas qu'ils ont pas osé. Enfin, qu'ils ont osé ne pas... Attends. Ça me perturbe. Ah, je me sens déjà mieux. Je me sens déjà mieux, mais c'est pas encore la panacée. Hein. C'est sûr, il n'y a personne. Ah, regardez-moi la ville au loin. Une voie de circulation. J'adore l'atmosphère de ce jeu.
pourquoi je vois un interstice comme... Non. Non ! Ah ouais ! Ok, si, si, j'avais bien vu. Non. Mais de toute façon, je peux pas aller dans le... C'est une illusion d'optique, le truc. Bah, elle est bonne, celle-là. Ah. Oui, je t'entends plus, Fun Fan, mais je présume que c'est normal. C'est ton propre non. chef. Oui, je ne parle plus. Il n'y a donc plus rien à déclarer. Ah ! Pardon. Je cherche les dossiers sur Nash. Un coup, j'arrête. Ça va pas bon. J'enverrai tout. Là, j'ai pas accès au... Ah merde. On dit qu'il y a une pièce qui est planquée là. Pourquoi j'ai pas réussi à ouvrir mon truc? Non, faut que je me la fasse au lance-roquette elle aussi. Oh, c'est abusé. C'est abusé. Attends, bah du coup, ma senti... On a... C'est vraiment bizarre. Oui, alors attends, je vais recharger là, parce que je me suis buté moi-même, en fait. J'étais tellement proche de l'explosion du truc que... Voilà, je me désengage de la partie actuelle pour la recharger. Voilà. J'avais même pas vu que j'avais un auto-save, tiens. Je pense qu'automatiquement, à chaque passage, le niveau, il sauvegarde. Attends, puis il faut que je vise bien, du coup. Voilà. Bon, si maintenant, faire usage de lance-roquette pour avoir accès aux pièces secrètes, où allons-nous? Je pense qu'un jeu, t'aurais fait ça, t'aurais hurlé, Funfun. Non, oui. Moi j'accepte, mais bon, c'est. Voilà, faut l'accepter, c'est particulier. Ah! Ah oui, je joue trop bien! Je retrouve toutes mes barres en vert, c'est ça qui est bon. Putain, j'ai toujours pas la petite lupiote verte, hein. Il y a encore des terroristes ou des robots? Il y a encore des drones tueurs dans cet étage. Où sont-ils? Bon, allez, je reviens sur mes pas là parce que. Hep, 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 attends, je reviens peut-être pas sur mes pas là. Je m'approche d'une zone de la carte où étrangement. Ah! Oh! Oh! Ah oui, là, je suis très très vert. Comme Jacques. Ah! C'est elle est nulle. Non, mais non, si, je valide, mais c'est mon cerveau qui a bugué, là. Parce que je me suis fait cueillir par des terroristes et je suis toujours pas dans le vert non plus. Bon, là, j'ai encore de superbes tâches en bonus. J'aime bien, je venais de refaire le plein, mais c'était pour mieux me refaire défoncer. Non, vilain terreau. Triste. M'a tiré dessus. Ah oui, c'était pas la musique, ça. Putain, je suis toujours pas dans le vert. Où sont les derniers? Non, il faut que j'aille dans ces couloirs étranges, ces murs remplis de dossiers. Ah, oh, tous les Américains sont fichés, c'est pas possible. Il y en a tellement. Il y a un épisode d'X-Files que j'adore, je sais plus lequel. Et Mulder et Scully qui se trouve dans une mine désaffectée. Et en fait, ça a été réquisitionné par le syndicat, donc les grands méchants qui font le mal. Entre, voilà, à vous de le savoir en regardant la série. Et en fait, ils ont fiché la plupart des Américains, voire tous les Américains, sans leur consentement.
pour mieux maîtriser et contrôler la population. C'est terrible. Oh, c'est les Américains. Voilà. On n'en pense pas moins. Bon. Ah, ça... Oui. Ils ont enfin mis des statistiques qu'ils auraient dû mettre il y a très longtemps sur YouTube. Maintenant, tu peux savoir le nombre de vidéos que tu as faites. Oh. Sur la présentation. Tu veux savoir combien de vidéos tu as publiées sur YouTube ? Oh. Ah, c'était le chiffre me concernant et te concernant. Oui, je veux bien qu'on se compare. Si ça t'amuse, oui. Moi je suis pour. C'est rigolo. Vas-y, vas-y, alors. Je t'écoute. Tu as publié 725 vidéos. Mm-hmm. Et moi, 600, tout rond. Ah, je t'ai... Oh, putain, je t'ai déjà dépassé en nombre de vidéos, je suis un fou, moi. Ça fait... Ouais. Oh, ça fait longtemps que t'en publies, je suppose. Bah, c'est surtout que je m'enregistre depuis longtemps, en fait. Je m'enregistre depuis que je suis jeune adulte, alors... Il y a encore des vidéos, je sais pas si je les publierai parce que je suis honteux. C'est-à-dire qu'il faudrait presque que je fasse un post-traitement. Soit le son est horrible, soit la vidéo est hyper saccadée parce que mon ordi n'était pas puissant à l'époque et ça fait plus diaporama qu'autre chose. Mais bon, il y a des vidéos qui ont le mérite d'exister. Quoi. Et moi, ça fait 600 vidéos en bientôt 4 ans quand même. Et après, Twinsen dit non, je fais pas beaucoup de jeux. Bon. Bref. Merde, j'en viens pas. J'ai pas la lupiote verte. Il y a encore des terroristes. J'hallucine. J'hallucine d'autant plus que j'ai pas trouvé la carte, le truc thermosensible. Là. D'ailleurs, c'est pas planqué dans une des portes de l'ascenseur. Ils pourraient me faire la vanne. Le document à l'étage est dans la cage d'ascenseur. Non, non, non. Et notre amie Christella, elle a publié 57 vidéos pour l'instant. Mais comme elle met toujours ses lives, elle en met à son 40e live, donc elle en a encore pas mal à mettre. Quoi. Attends, pardon, excuse-moi, en même temps, je t'écoute tout en étant concentré dans le jeu parce que. Voilà, je me dis bien qu'il y a un truc qui allait pas par rapport à la carte. Oui, le truc thermosensible. Ah, surprenant. J'aurais pensé qu'il y avait beaucoup plus. L'ami JDG, seulement 153 vidéos. Oui, mais attends, il a plusieurs canaux. C'est sur le canal principal, tu veux dire. Ouais, oui. Il a quand même plus de 10 ans. J'ai fait plus que lui. Ouais. Et là, il y aurait Quinten qui mettrait. Mais lui, il a 10 fois plus de vues que toi. Ouais. Oui, Quinten. Ah, merde, mais il est où le dernier ennemi? Ça devrait être plus facile maintenant que j'ai le truc thermo. Ah oui. Sur le bazar, oui, il est à 1000,4. Voilà. Ah, Twinset, ça t'énerve, j'ai anticipé ce que t'allais dire. Hein. Ça t'énerve. Donc, 1,4K vidéo, il a mis sur le bazar. La russe que je regarde, elle est bien quoi. Il a quelques vidéos. Ouais, la mère patrie, elle s'en sort bien. Fadge, il en est à 74. Omar, elle fait ça. La vidéo, je t'ai regardé, ils ont fait 57 vidéos. Ils sont là. Les Simpson Guys, ils sont à 111K. Possible, je suis toujours pas dans le vert. Ah tiens, pour Twinsen, la statistique qui m'intéresse le plus, l'ami Léo Tech, il est à 562 vidéos. J'ai fait plus de vidéos que Léo Tech. Tiens Twinsen. Voilà. Pas vu que je te le dis. Le Twinsen Twitch, 0 vidéo officiellement. Ouais, je suis à 600 tours, je crois pas.
Avec mes 23 vidéos, je vais pas loin. Ouais, mais toi tu fais du qualitatif, la Jed. En plus, tu fais de la nature, en fait. C'est dommage que ces statistiques ils les mettent tard, mais je vais pouvoir le mettre pour le bilan de 2024. Mmh. Ouais, ça te fait une année en plus. Combien de vidéos ont été publiées sur YouTube? Ah, mais je deviens fou, moi, excuse-moi, mais. Mais bon, je ne pourrais comparer que 2024 à 2025, pas avant, puisque là, j'ai quand même global, j'ai pas le nombre de vidéos sur une année, c'est dommage. En 2025, sur le bilan de 2025, on pourra comparer au nombre de 2024. Enfin, non, pardon. En 2025, on pourra comparer les vidéos de 2023 à 2024. Ouais. Donc, il y aura déjà des nouvelles statistiques. C'est pas possible, l'ennemi que j'ai pas trucidé. Je suis en train de devenir fou. Vidéo shot. J'ai visité le sanitaire déjà. Vidéo shot. J'ai vu quelque chose. J'ai halluciné. Merde, j'ai halluciné. J'ai cru qu'il y avait un drone qui était au plafond. J'ai dû me faire avoir par le. Le moteur graphique du jeu. Moi j'aurais aimé finir le niveau en le nettoyant proprement. Attends, il a bougé le gars ou il a pas bougé? Ouais. Cette frustration. Je m'en souviens. Là, j'avais creusé le mur. Ah! C'était lui. Oh la vache! Ah, je l'ai eu! Les doigts dans le U. Pardon. Fallait que je me lâche. Ah oui, j'ai pas toutes les barres dans le verre, mais. Sur ce, je vais aller dormir. Bonne nuit, la Jed. Bonne nuit à toi, merci d'avoir été là. A plus. Bon dimanche, si je te revois pas. Profitez bien. Allez, je fais ce niveau-là, puis après, on va chez Bastos. Et puis j'ai faim, je mangerai ma pizzouille. Ma pizzouille. Je peux faire un sondage bidon. Et bien sûr. Deux minutes, voilà. Hop. Le live de Poupon, des dossiers ou aucun dossier? Voilà. Et comme je suis neutre, je vote avec mes deux comptes. Sur deux votes différents, comme ça. Il y a au moins deux personnes qui participent. Vous avez deux minutes. Et le prochain, Poupon à poil ou pas à poil. Ah, faut que je regarde si je peux voter depuis ma tablette. Tiens, ton test est intéressant. Donc pour les gens, il y a personne qui pense qu'il n'y aura aucun dossier. Ah, il y a deux personnes qui pensent qu'il y aura un dossier. Ouais, des dossiers. Bon, je vous ai fait le sondage à la va-vite, désolé si j'ai fait des fautes d'orthographe. Trois personnes qui pensent qu'il y aura des dossiers. Merci de votre participation.
Là encore, je pourrais pas aller dans les... Ah, j'ai mis qu'il y a un terroriste. Bien sûr que cela, ça compte le dossier du siège. Le dossier... Elle est bonne. Oh, le petit cinéma, tranquille. Écran de projection, mur noir, stylé. C'est une salle de brief débrief. Ouais, ça se trouve, il va nous, peut-être qu'il va nous annoncer qu'il quitte Twitch. Oh non ! Oh, ce serait trop horrible. Mais non, il a voulu proposer un direct Lego. Ah non. Et il l'a pas encore fait. Oui, mais peut-être qu'il va annoncer la date après son départ. Hein. Il va dire voilà, il y aura. Oh non, non, tu vas m'entristouner si. Bon, évidemment, il est bien libre de faire ce qu'il veut, mais. J'aimerais bien avoir du Poupon TV dans les années à venir. Ou peut-être qu'au contraire, il va nous annoncer son retour sur Twitter. Hein, on va savoir. Ouais, mais. Bon, peut-être... j'ai vu un gars s'engouffrer. Pas qu'un gars. Nous annoncer peut-être qu'il va nous annoncer que il va déclarer la révolution pour les Bretons. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Peut-être qu'il va nous annoncer qu'il se présente à la présidentielle. Oh mon dieu. Vote pour tout le monde. Le dessert officiel des Français sera désormais le Kouign-Amann. Et avec lui, on va se remettre à la lutte spatiale. Il va relancer Ariane, espace, et tout comme nous. C'est la guerre. Les mains en l'air. Slip sur la tête. Oh, rien à péter. Oh, c'est une fausse porte. C'est chouqué. C'est scandaleux. Ou peut-être qu'il va annoncer qu'il a fait un camping-car et qu'il vient chez nous tous. Oh, ce serait marrant comme formule. Oh merde, oh merde. Ça s'appellerait le poupon. Le poupon-car. Hein. Le poupon-tour. Voilà. Ou peut-être qu'il va aller dans l'espace, il prend un stream de pilote. Oh, ce serait trop stylé. La fusée du Pandarou. Et il dit fuck Elon. Wouah, le truc à pas faire, je l'ai fait. Mais non, mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Oh, vous avez vu ce que je viens de faire? Je suis quasiment mort. J'ai plus d'armure, j'ai plus de vie. Il me reste des balles. Ça, alors les balles, j'en ai. Voilà, je peux faire la guerre avec, mais alors... Oh, mais non, mais c'est n'importe quoi, cette configuration de mort. C'est abusé. Oh, puis là, il y a une galerie d'art. Laisse tomber. Ou peut-être qu'il va nous dire qu'il veut faire un live rencontre à Brunier. Oh, yeah. Ou peut-être qu'il va nous dire qu'il aime bien Billy Idol. Merde. Qui raconte? Ah, je raconte n'importe quoi. Ou peut-être il va nous raconter les anecdotes du sage de Nancy. Ah, là, c'est apprécié ce que je viens de trouver. Si je peux avoir un bis. Merci. Ouais. Ah oui, là, je me sens mieux, là. Ouf. Attends, là, il n'y a personne. C'est quoi? C'est la carte. Ouais, c'est la carte. Wopopo, c'était sûr. La configuration était tellement cadeau pour te faire abattre dans le dos.
Peut-être, qui sait, il va nous avouer qu'il est le frère caché de Cadou Anthony. Son tu veux père. Partir sur les idées les plus farfelues et qui sont pas crédibles. Oui, mais j'y suis allé, moi, là-dedans. Il n'y a rien. Ou peut-être il va nous dire qu'en vrai, il est le chef des roues. Qui roule. Oui, je suis bête. Ouf. Ah oui. Merveilleux. Merveilleux. Ou peut-être il va faire avec un panda roux. C'est une espèce en voie de disparition. T'as pas le droit d'en avoir si t'es pas professionnel. Ah, mais. Tu es dans un parc. Ouais, non, non, tu peux pas domestiquer un panda roux. T'as pas le droit. L'espèce, c'est justement, je crois que c'est pour sa fourrure ou je sais plus quoi. Et un Twinsen, on peut le domestiquer ou pas? Oh, cette texture de pas mal de carrelage au mur, j'aime bien. Oh là là, je les ai liquidés mais sans ménagement quoi, laisse tomber. Ou peut-être il va nous dire qu'il va faire un live de Grim Fandango. Ou peut-être qu'il va nous dire que lui aussi il joue à Commandant & Conquer. Ah, ce serait cool. Le petit dernier qui est planqué au fin fond du bureau près de la fenêtre. C'était un terroriste. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Karaoke. Quoi, pas Nash? Oh, voilà une idée qu'elle est bonne, le karaoke. Le karaoke. Ah, c'est vert, tout le monde est mort. Ouais, j'ai réussi mon niveau. J'ai réussi le niveau. Je suis pas au taquet, mais c'est beau. La 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 la. Je veux bien grappiller des trucs. Je crois qu'il y a un mur qui se pousse. Oh, c'est le pactole pour moi. Ah oui, je suis tout. Ouais, magnifique. Mission réussie. Alors, je vais sauvegarder en déclenchant le niveau suivant, mais que je ne jouerai pas aujourd'hui. On va arriver au 33e niveau sur 40. Et j'aimerais me garder encore deux sessions de jeu là que j'adore. Pour faire durer le plaisir, vous l'aurez compris. Mais ouais, je suis content. On a vu un peu la carte du niveau. La carte du niveau ultime. Voilà. Ouais, on va faire un relais chez Bastos. Faire un relais chez Bastos. Tadam! Hey, il y a du monde hein, qui ont bossé sur le jeu. Il faudra vraiment que je me fasse un truc avec une manette. J'arrive à bidouiller ça la semaine prochaine. Que je puisse rebasculer comme avant en plein écran ma tronche. Avec les citations. Faudra que je reconstruise différents trucs. Le coup du nouveau sondage a fait bugger mon interface. Merde. Ah, c'est ballot. Voilà, je suis parvenu à revenir à la normale, ça me rassure. Bref, merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Merci à l'anonyme qui a offert un abonnement à Raskar Kapak, c'est adorable. Merci tout plein. Est-ce que je peux voir mes stats d'ailleurs dans le... Ah, hydrater le sage, il y a une heure, je ne l'ai même pas vu. Pardon, Poupon. Oh, j'impose le chapeau. Bah, c'était pas dans le chat. Poupon qui avait dit, je choisis le chapeau de mon choix, je ne l'ai pas vu. Oh, ah, le oui. Pauvre Poupon. La prochaine fois, tu lui vois, tu lui proposes directement au stream suivant. Bah oui. Attends, pourquoi je l'ai pas vu? C'était vers 20h47. Ah, j'ai pas eu l'annonce dans mon logiciel. Ah si! Oh merde, je l'ai pas vu! Oh, faute de ma part! Oh, j'aurais dû voir. Oh, est-ce que je peux pas modifier les annonces du robot? Faudrait que je vois si je peux pas mettre un truc vraiment qui clignote en pleine poire.
Ah, oh, pauvre Poupon. Oui, tu as raison. Demain, s'il se manifeste sur la chaîne, je lui propose de choisir dans mes chapeaux découverts celui qui souhaite que je mette. D'ailleurs, vous pourrez cotiser vos prochains points à l'arrivée du printemps, à la fin du mois. Parce qu'il me reste plus trop de chapeaux. Hein. J'en ai pas mal. Je crois qu'il en reste 3-4 encore à découvrir. Je crois que le prochain, il est monstrueux. Je n'y sais pas ce que c'est. Et oui, il vaut mieux que j'attende les beaux jours pour le mettre parce que il va me peser sur la tête. Enfin bon, bref. J'en dis pas plus. Ouais, merci à vous toutes et tous d'avoir été là. Merci pour les éventuels clips. Merci pour ta modération et ton animation fun fan. On va filer bonjour chez Bastos. Ayrster qui a rempilé dans les... Attends. À moins que ce soit un bug. Ah non, c'est un... Merde, j'ai un bug. Ah, il faut que je rafraîchisse ma page. Je croyais qu'il était encore à l'antenne, Ayrster. Mais non. Ah, c'est mieux. Ah, Bastos. Oh, il a 12 personnes. Eh ben, on file chez Bastos, on va être à 20. Il fait du... Gartic Show. C'est lui qui dessine et c'est nous qui devinons. Bonne soirée à vous. Moi, je vous dis à demain matin pour du Final Fantasy. La fin théorique du premier Blu-ray sur les 3. Avec plein de boss à enchaîner. On verra ça demain. Voilà. J'aurais peut-être bossé un peu sur rajouter des trucs ou pas. Enfin bref. Au niveau de ma chaîne que je reconstruis sur configuration de PC. Bref, prenez soin de vous. Bisous tout plein. Puis moi, je vais miamer ma pizza. Ciao, ciao. Bisous. Merci pour tout, les copains. Alors, moi, il faut que je coupe mon enregistrement. Le sage. Et coucou le sage. J'espère que tu vas bien. Mais oui, je vais bien.